Bonjour mes chers. Hello students. Hope you are fine. We are continuing today our French speaking episode number 3. Today our topic is the topic conversation number 1, le monde international. Le monde international. Qu'est-ce que ça veut dire le monde international? That means an international word, the word around us. D'accord? The world around us, le monde international. On commence. Like before we said, the speaking test will include 3 main parts. Role play, topic conversation number 1, topic conversation number 2. Today we are going to discuss the topic conversation number 1. Le monde international. Le monde international. Premièrement, les questions, we will discuss the question, we will understand the question, and after that, we will answer the questions or to give you some hints about the answers. D'accord, on commence. Premièrement, la question numéro 1, quelle langue parles-tu? Which language do you speak? That means a language, je parle français, je parle arabe, je parle anglais, je parle italien, je parle allemand. All the languages that you speak. Je parle hindi, je parle urdu. D'accord? Numéro 2, qu'est-ce que tu fais comme activité pendant tes cours de français? Here he is asking about your French lessons. What activity you normally do during the French lessons? Quelle langue étrangère apprenais-tu l'année dernière? La question numéro 3, which language did you learn last year? I can mention that I learned French, I learned English, and I learned Japanese. D'accord? Numéro 4, quel pays francophone aimerais-tu visiter? Which French-speaking country do you, would you like? Aimerais-tu? Don't forget, aimerais-tu? Je voudrais. This is a future question. Aimerais-tu visiter et pourquoi? Numéro 5, à ton avis, in your opinion. Whenever he will ask you à ton avis, you will answer pour moi, selon moi, à mon avis, je pense que. That means that we have some ready-made answers, d'accord? Je pense, pour moi, selon moi, d'accord? À mon avis, to be easy for you to remember the answers, d'accord? À ton avis, pourquoi est-il important d'apprendre une autre langue? Why is it important for you to learn another language? What are the advantages? Quels sont les avantages de parler une autre langue? What is the advantage to speak another language? D'accord? That means that we have a lot of advantage. D'accord? Premièrement, je répète la question une autre fois. Premièrement, la question numéro 1, quelle langue parles-tu? Qu'est-ce que tu fais comme activité pendant tes cours de français? Quelle langue étrangère apprenais-tu l'année dernière? Quel pays francophone aimerais-tu visiter? Pourquoi? À ton avis, pourquoi est-il important d'apprendre une autre langue? D'accord? Pourquoi est-il important d'apprendre une autre langue? Vas-y, on commence. Quelle langue parles-tu? Which language do you speak? You can say, je suis trilingue, just to impress. To impress the examiner. This is that for A-star students. D'accord? Quelle langue parles-tu? You will not say, je parle français and you stop. No, you can say, I am trilingual. D'accord? I speak 3 languages. Je suis trilingue. Je parle anglais, et français et arabe. Je parle anglais, le français et l'arabe. D'accord? Numéro 2, qu'est-ce que tu fais comme activité pendant tes cours de français? What activity that you do during your French classes? D'habitude, we have to start with d'habitude, en général, normalement, on écoute des chansons. Why I use he on? Because not you, not je, d'accord? Not only you, all the class. Mates, okay, all the class will do this activity. On écoute des chansons françaises, on regarde des films français et on fait des compétitions. D'accord? Je répète, d'habitude, what activity? We listen to some French
songs, we watch some French movies, and sometimes we do some competitions or some games. D'habitude, on écoute des chansons françaises, on regarde des films français et on fait des compétitions. D'accord? Après, la question numéro 3. Quelle langue étrangère apprenais-tu l'année dernière? Which language or what language did you learn last year? I start with l'année dernière. Look, l'année dernière, j'ai commencé, in the past, j'ai commencé, I started. J'ai commencé à apprendre le français. J'ai commencé à apprendre l'italien. J'ai commencé à apprendre l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'espagnol. D'accord? Any language that you would like to mention. J'ai commencé à apprendre le hindi. D'accord? Hein? J'ai commencé à apprendre le français pour 3 heures par semaine. I start learn French for 3 hours per week. L'année dernière, j'ai commencé à apprendre le français pour 3 heures par semaine. Why I mention that? Because the other question, he will ask you, tu avais combien d'heures de français? Combien d'heures? How many hours did you learn? Pour 3 heures par semaine. 3 heures per week. 3 hours per week. D'accord? La question numéro 4. Quel pays francophone aimerais-tu visiter? Pourquoi? Which countries, French-speaking countries, that you would like to visit in the future and why? You will start, j'aimerais voyager au Canada. We miss something. You can say à l'avenir. D'accord? À l'avenir, j'aimerais in the future. J'aimerais or l'année prochaine, next year. L'année prochaine. D'accord? L'année prochaine, j'aimerais voyager au Canada. L'année prochaine, j'aimerais voyager au Canada. Don't forget, in front of the countries, we have to put some preposition. Canada is a masculine word. We say, je voudrais ou j'aimerais voyager au Canada. If you would like to go to Swiss, par exemple, Switzerland, because it's a French-speaking country also, je voudrais voyager en Suisse. Maybe you want to go to Morocco, also it's a French-speaking country. Je voudrais voyager au Maroc, d'accord? That means you can say, je voudrais voyager au Canada, je voudrais voyager en Suisse, je voudrais voyager au Maroc. Pourquoi? He will ask you pourquoi. Parce que je voudrais faire du ski. What activity? I would like to faire du ski, to ski. Or et améliorer mon français and to improve my French. This is important. Why you go to a French-speaking country to improve your French. J'aimerais ou je voudrais faire du ski et améliorer mon français. You can say je voudrais visiter les monuments et améliorer mon français. Je voudrais faire du shopping et améliorer mon français. D'accord? That means two activities. First, les monuments et after that, améliorer to improve your French. D'accord? Après, la question numéro 5. À ton avis, pourquoi est-il important d'apprendre une autre langue? Why it's important for you or for all people to speak another language or to learn another language? You will start. À mon avis, je pense que this part it's important. À mon avis, je pense que qu'apprendre une autre langue, surtout l'anglais, to learn another language, especially English. Why English? Because English is an international word. L'anglais est très important parce que l'anglais est une langue internationale. D'accord? That means I have to mention. Apprendre une autre langue, c'est très important, surtout l'anglais, parce que l'anglais est une langue internationale. Parler, now I will give some details. Why it's important to speak another language? Parler une autre langue. Nous aidera, it will help us, not me only, it will help us à se communiquer facilement avec les autres nationalités. It will help us to communicate easily with another nationality, with the other nationality. D'accord, je répète, it's a very important question. Pourquoi est-il important d'apprendre une autre langue? À mon avis, je pense qu'apprendre une autre langue, surtout l'anglais, est très important parce que l'anglais est une langue internationale. Parler une autre langue nous aidera à se communiquer facilement avec les autres nationalités. D'accord? J'espère que c'est facile pour vous. À la prochaine!
Bonjour mes chers. Hello students. Hope you are fine today. We are continuing our French speaking episode number 3. D'accord? Our topic conversation today is manger et boire. Manger et boire, c'est-à-dire la nourriture, food. We are going to talk about food, la nourriture, manger et boire. That means that the topic can be manger ou boire ou la nourriture, that means the same. D'accord? La nourriture. D'accord? On commence. Like we said before, our French speaking exam will include 3 parts. Role play for 2 minutes, topic conversation 1 for 4 minutes, topic conversation 2 for another 4 minutes. Today we are going to discuss the topic conversation number 2, manger et boire. D'accord? Premièrement, les questions. Numéro 1. La question numéro 1, quel est ton repas préféré? Because here, all the topic is eating, food, drinks, d'accord? He will ask you, maybe the question will be, what are the meals for the day? Or what's your favorite meal? Quel est ton repas préféré? What is your favorite meal? Numéro 2, qui fait la cuisine chez toi? Who cooks? Who normally cooks at your home? D'accord? Numéro 2, je m'excuse. Numéro 3, qu'est-ce que tu aimerais manger en particulier ce soir? This is a conditionnel. What would you like to eat especially tonight? Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? What you are going to eat tonight? D'accord? Numéro 4, parle-moi, talk about the last time did you eat in a restaurant. Parle-moi de la dernière fois que tu as mangé au restaurant. Où es-tu allé et avec qui? In which restaurant? You have to mention the name of the restaurant or the city or the place. And with whom did you go? Où es-tu allé et avec qui? D'accord? Numéro 5, d'accord? And also we have, he didn't ask you here, what did you eat? But I have to mention, what did I eat? Qu'est-ce que tu as mangé et bu? That means that, what did I drink and I eat? D'accord? Manger, to eat and bu, to drink. D'accord? Don't forget, this is a very important answer. Bu, this is a past participle of verb boire. Manger is a past participle of verb manger. J'ai mangé, j'ai bu. D'accord? Numéro 5, à ton avis, in your opinion, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en meilleure forme? That means this is a common question about how to stay fit, how to stay healthy. D'accord? Être en forme, c'est important pour toi. It's important for you to stay fit. D'accord? On va commencer à répondre. Je répète les questions une autre fois. Quel est ton repas préféré? Qui fait la cuisine chez toi? Qu'est-ce que tu aimerais manger en particulier ce soir? Parle-moi de la dernière fois que tu as mangé au restaurant. Où es-tu allé avec qui? À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en meilleure forme? Meilleure forme ou être en forme? Être en forme ou en meilleure forme? On commence. Premièrement, la question numéro 1, quel est ton repas préféré? What is your favorite meal? Mon repas préféré est le petit déjeuner. I can say mon repas préféré est le déjeuner. Mon repas préféré est le dîner. D'accord? He didn't ask you what did you eat, but I said if you want to get the A star, you have to show up with your French. D'accord? You have to answer in details. D'accord? Don't say he didn't ask me. No, you have to mention more than the answer. D'accord? Quel est ton repas préféré? You will say, mon repas préféré est le petit déjeuner. It's breakfast. J'adore. What you would like to eat in breakfast? J'adore. Normally, you can say, normalement, j'adore manger une omelette et des tartines avec de la confiture. Normalement, j'adore manger une omelette. Et des tartines avec de la confiture. Qu'est-ce que ça veut dire tartine toast avec de la confiture ou jam, d'accord? Ou avec du fromage, d'accord? Des tartines avec du fromage ou des tartines avec de la confiture. J'adore manger un croissant, j'adore boire un café chaud, d'accord? You have to mention what you like to eat in breakfast. D'accord. Numéro 2, qui fait la cuisine chez toi? Who cooks at your home? You will say, d'habitude, c'est ma mère qui cuisine chez moi. C'est ma mère, it's mom. Or you can say, c'est moi qui cuisine. D'habitude, c'est mon père, my father, d'accord?
c'est ma mère, c'est mon père ou c'est moi. D'accord? You can mention I cook for myself. D'accord? Numéro 3, qu'est-ce que tu aimerais manger en particulier ce soir? What you would like to eat, especially tonight? You will say, le soir, d'accord? J'aimerais, don't forget this question, the answer, this verb, j'aimerais manger des pâtes et une pizza, des pâtes pasta et une pizza à pizza, d'accord? J'aimerais manger des sandwiches, j'aimerais manger des burgers, whatever you would like to eat. J'aimerais manger, and you put the things that you would like to eat, des pâtes et une pizza, it's easy, d'accord? Des pâtes et une pizza. Numéro 4, parle-moi de la dernière fois que tu as mangé au restaurant. Où es-tu allé avec qui? D'accord? You will mention when first. When did you go to a restaurant? La semaine dernière, last week. C'était l'anniversaire de ma sœur. It was my sister's birthday. Nous sommes allés. We went. Take care of this verb. Nous, because we went. Nous sommes allés au restaurant Piatto. You will mention the name of the restaurant. Nous avons mangé. What did you eat there? Nous avons mangé de la grillade et de la salade. We took some barbecue and some salad. Nous avons mangé de la grillade. Don't forget the preposition in front of the food. De la grillade. I cannot say nous avons mangé grillade. Non. I have to say, j'ai mangé ou nous avons mangé de la grillade et de la salade. C'était délicieux, d'accord? Et le service était excellent, d'accord? That means I mentioned more than he wants, d'accord? La semaine dernière, this is an A-star answer, d'accord? La semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma sœur. Nous sommes allés au restaurant Piatto. Nous avons mangé de la grillade et de la salade, c'était délicieux et le service était excellent. C'était délicieux et le service était excellent. Here, I mentioned many things. I mentioned when did I go, why, what was the occasion for going to the restaurant. I went to which restaurant. I mentioned the name of the restaurant and I said, what did we order? We ordered de la grillade et de la salade. And also I mentioned how was the food and the service, how was the service. It means that it's so good to answer all of this, d'accord? La semaine dernière, c'était l'anniversaire de ma sœur. Nous sommes allés au restaurant Piatto, nous sommes allés au restaurant Steakhouse, nous sommes allés in any restaurant à McDo. Nous avons mangé de la grillade et de la salade, c'était délicieux et le service était excellent, d'accord? À ton avis, la question numéro 5, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en meilleure forme? What we can do to stay fit? You have to mention, à mon avis, d'accord? Ou je pense que pour être en meilleure forme, to stay fit, on doit manger, we have to eat. On doit manger beaucoup de légumes et de fruits. We have to eat a lot of fruits and vegetables, numéro 1. On doit pratiquer du sport chaque jour. We have to practice sport, numéro 2. On doit éviter les sucreries et les cochonneries. We have to stop eating sugary things and junk food. D'accord? I didn't stop till here. He will ask you pourquoi, why it's important to stay fit. D'accord? Être en forme me donne la morale, gives me, makes me happy, put me in mood, d'accord, et de la beauté, to make me pretty also, c'est important pour la santé, it's important for health, this is so important question, d'accord, à mon avis, pour être en meilleure forme, on doit manger beaucoup de légumes et de fruits, on doit pratiquer du sport chaque jour, on doit éviter les sucreries et les cochonneries, être en forme, why it's important for you to stay fit? Because, parce que être en forme me donne la morale et de la beauté, me donne la morale et la beauté, c'est important pour la santé. It's important for my health. I think that manger et boire, it's an easy topic and it's a frequent topic also. It can come a lot. J'espère que c'est facile pour vous et on se voit à la prochaine. Hello student, hope you are fine. We are continuing today our French speaking episode number 3. As we mentioned before, the French include 3 parts. The French speaking exam includes 3 parts. We are going to discuss today
the role play, episode number 3. D'accord? What is the topic for the role play for today? À l'arrêt de bus, à l'arrêt de bus, at the bus station. You are waiting for a bus and you are discussing some question with the other passenger. D'accord? On commence. Ready? Prête? As we mentioned before, the speaking test will include one role play, one topic conversation, and another topic conversation. D'accord? Two topic conversation. Topic conversation number one for 4 minutes. The topic conversation number two for another 4 minutes. Preparation time is 10 minutes, but I said before that we are not allowed to take any notes, to use any writing during the exam or during the preparation. D'accord? On commence. À l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus. Premièrement, who the people that you are talking here in this conversation, this is your self, d'accord, the candidate, and the teacher is another passenger, d'accord, passager. Passager, that means that you don't know him before, that means that you have to use vous for respect, d'accord, it's not a friend, it's a person that you have never seen him before, that means that we have to respect him by saying vous, d'accord. Premièrement, vous êtes en vacances en France. You are in a vacation in France. Vous attendez le bus. You are waiting for the bus pour aller en ville, to go to the town or downtown. Vous parlez à un passager ou passagère. Je suis le passager ou la passagère. That means I am the passager. D'accord? Premièrement, I will start. Excusez-moi, à quelle heure part le train? This is easy. À quelle heure? We said before, à quelle heure for the time? À 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. D'accord? Numéro 2, où allez-vous exactement en ville aujourd'hui? Où? That means where? Where you are going exactly in the town today? I'm going to the supermarket, I'm going to the mall, I'm going to buy things, d'accord? We will mention exactly where you are going to go, d'accord? Numéro 3, that means that for a place, à quelle heure, time, où is a place, where? Numéro 3, et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là-bas? What is your intention to do there? That means that what you are going to do there. What, d'accord? What are you going to do there downtown? Numéro 4, d'habitude, usually, quel moyen de transport préférez-vous prendre? Now, this is a question about transport means. What kind of transport do you prefer to take while going any place or while moving around? Pourquoi? And you have to mention what. That means here, we have to mention les moyens de transport. Comme exemple, par exemple, le bus, le train, le métro, d'accord, le tramway, la voiture. Mm-hmm. Numéro 5, qu'est-ce que vous avez déjà vu en France? What did you visit in France before? Et qu'est-ce que vous aimez le plus? What did you like the best? This is now a question about the monuments. What did you do in France these days? D'accord? As a tourist. On commence. Je répète les questions une autre fois. Premièrement, à quelle heure part le bus? À quelle heure part le bus? Où allez-vous exactement en ville aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là-bas? D'habitude, quel moyen de transport préférez-vous prendre et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait, vu en France? Vu, what did you have, what did you see in France? And what did you like most? D'accord, on commence. Now we will discuss some easy answers for this question. D'accord, but I repeat again that if you are an A-star student, you have to mention as much as before. You have to answer long answers, not short answers. Yes, we, this is unacceptable in a French speaking exam. You have to answer and to say whatever you can say about the question. D'accord? Premièrement, excusez-moi, à quelle heure part le bus?
À quelle heure part le bus? You will say bonjour. Le bus part à 8 heures. Le bus part dans 2 minutes. It's in 2 minutes. It's going to, go. Le bus part à 8 heures. Le bus part à 8 heures. Où allez-vous exactement en ville? Where are you going exactly? You will mention the place exactly. Je vais à la place de la Concorde. This is a very famous place in France, à Paris. Je vais à la place de la Concorde. Je vais à la place de la Concorde. You can say je vais aux Champs-Élysées, je vais à la poste, je vais au centre commercial, je vais au supermarché. Many places that you can go. À la pâtisserie, à la boulangerie. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. D'accord? I want to buy some bread. Je vais à la boulangerie. Je vais à la pâtisserie. I'm going to the pâtisserie shop. D'accord? That means I can mention any place. It's easy for you. D'accord? Je vais à la boulangerie. Je vais à la pâtisserie. Je vais à la place de la Concorde. Je vais aux Champs-Élysées. Numéro 3. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là-bas? What did you have? What intentions you have to do there? I can say, je voudrais, I would like to faire du shopping. I want to go shopping. Je voudrais faire du shopping. There is another expression. Je voudrais faire les magasins. Je voudrais faire les magasins. Je voudrais faire du shopping, je voudrais faire les magasins, je voudrais acheter du pain, je voudrais acheter du pain, je voudrais acheter du croissant. You can mention whatever you want to buy. Acheter du pain, acheter des croissants, faire du shopping. Also, if you wanted to say, I want to go grocery shopping, I want to the supermarket for grocery, je voudrais faire les courses. Je voudrais faire les courses. Grocery shopping. D'accord? That means we have many answers. You can choose whatever. It's easy for you. Numéro 4. D'habitude, quel moyen de transport préférez-vous prendre? Which transport means you like to take? You will say, d'habitude, je préfère prendre le métro. Pourquoi le métro? C'est pratique et rapide. C'est plus pratique. It's more practical than le bus est rapide. C'est plus pratique et rapide. Je voudrais, ou je préfère prendre, je préfère d'habitude. You can say here d'habitude or normalement. These are important words to start by. D'accord? D'habitude, normalement, en général. D'accord? Je préfère, I prefer prendre le métro, to take the métro. D'accord? But if you want to say I would like to take to go by metro, this is different. To go, je préfère aller en métro. Don't forget, aller en métro is different de prendre le métro. Because that preposition here is different. Je préfère prendre le métro or je préfère aller en métro. Pourquoi? She will ask you pourquoi. Parce que c'est plus rapide et plus pratique. C'est plus pratique et plus rapide, plus confortable. D'accord? Many causes for taking the metro, why you prefer the metro. D'accord? Numéro 5, qu'est-ce que vous avez déjà vu en France? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Here we have two questions. Qu'est-ce que vous avez déjà vu en France et qu'est-ce que vous aimez le plus? You can say, j'ai visité le Louvre et la Tour Eiffel. I visited the Louvre and the Tour Eiffel. This is the two important monuments in France or à Paris exactement. J'ai visité le Louvre et la Tour Eiffel. D'accord? Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus? You can say, j'ai beaucoup aimé la Tour Eiffel. C'était génial. D'accord? All the tourists, they prefer the Tour Eiffel. J'ai beaucoup aimé in the past. Use the past. J'ai visité, j'ai beaucoup aimé la Tour Eiffel, c'était génial, it was génial. D'accord? Merci, I hope that it was easy for you. À la prochaine!